porte est fermée. Ça n'est pas la bonne... La porte est fermée. La porte est fermée. Comment je remonte en, tout en haut du coup? Pourquoi le jeu est fou comme ça? Voilà. Putain, je viens de chercher, je comprends mieux. Ce fort maudit. Non mais totalement là. Je vous le dis, il y a tout. Rien qui veut, rien qui veut, qui peut. Il me fait peur ce jeu. Comment on retourne en haut? Non là c'est pour aller là, j'ai pas envie d'aller là. Oh là là là, je suis... Non, putain, c'est l'inverse. Putain, c'est l'inverse. Perfura Tower là. Bon, c'est putain de truc avec les clés là. Je comprends, parce que moi je comprends pas. Alors, Solus. Déjà 23h les amis. Si tu ouvres cette... Il ouvre ce putain de trésor. Attends, quoi? Contendre la gauche, prendre les clés 10 et 17. Mais c'est quoi le sens de cette énigme? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Je suis planté. Le mec il savait pas que compter 2 secondes quoi. Évidemment que c'était... T'as précipité. Mais tu as changé de disque juste pour avoir le game over quoi. C'est totalement refus. Non non je veux pas. Non non c'est pas ça que je veux.
de gauche est chargé. Si tu ouvres... Mais quoi? Ta précipitation a causé ta perte. Si tu ouvres cette armoire... Depuis la... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15... 6... Si tu ouvres... C'est quoi ce délire ? Ça. Mais toujours à la con. D'après. Quelle purge. C'est où, c'est quand qu'on s'amuse. What the fuck. Là, j'ai une autre souris parce que là je comprends pas là. Une texte sur envoyer. Ah, ok. Elle m'a l'air un peu meilleure cette solution. Si tu ouvres. Ouvrez l'armoire ou le perforant chez clé et prenez la première clé du deuxième niveau, puis la seconde du troisième. Attends de la gauche. Les mecs qui étaient juste bourrés à l'époque en faisant des grosses combinaisons clés sur une feuille, quoi, genre interminable. Pourquoi ça? Pourquoi France 3, s'il vous plaît? France 3 ou France 2, Fort Boyard? Je crois que c'est France 3. Ok, là maintenant on va retourner
piffer les clés. La porte est fermée. Ok, cool. La porte est fermée. La porte est fermée. Mais. Ah. Non. Mais c'est aucun sens. On pouvait y aller là-bas il y a 10 secondes. Mais d'où on vient là? Ah là. Oh là, il y a un fou le jeu. Super, du coup, attends, on va essayer toutes les putains de glaces, toutes les putains de portes. La porte est fermée. Je m'en rends bien compte, mais c'est de l'ouvrir. Donc c'est le purgateur. Ah non mais ça a fini. Je pense que l'enfer c'est jouer le jeu en boucle. Enfin surtout cette partie là du jeu. Parce que la première ça peut être très drôle mais wow. Là n'est pas la bonne clé. Là n'est pas la bonne. Pas la bonne clé. Pourquoi t'as un dialogue où t'as là, il n'est pas, dit... pas la bonne clé, puis là aussi. Là n'est pas la bonne. Il dit juste rien. Ah parce que les dé... elle est débloque. Oh là là. Ok, donc là on arrive à un autre level, hein. Attention. Merde le con, c'est pas ce que je voulais faire. Je suis planté. Merde. Si tu ouvres. C'était celle-là, celle-là. Sorry, my bad. Bonne clé. Tu m'en vois rien ? Je dois trouver le moyen de rester. Ok. C'était où déjà? Qu'est-ce qu'on va faire? Oh là. Je deviens fou! Et j'ai encore pas ma boule! Sa mère l'hypopète. Pas la bonne. Là n'est pas la bonne. Je dois. Putain, merde, c'était où là? Oh là là.
La porte est fermée. Ok, c'était là. Là n'est pas la bonne clé. Ok, je vois rien. Exactement, tu as très bien résumé ce qui se passe, Pascal. Je dois être. Ok, c'est bon. Là, on sauvegarde pour de vrai. On recharge pas la partie. D'accord, il va falloir sous notre gueule, on se casse. Quel moment ça s'abuse quoi! À quel moment c'est censé être abusant ce truc! Oh là 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 là! L'enfer! Oh my god! Je vais faire quoi avec ça? Il y a un autre endroit à aller, un truc comme ça? Si bien dans le script on l'a amené l'électricien, il m'a fait oui y'a pas de soucis, j'ai avec vous. Donc normalement on l'a là. Sinon je jette le jeu par la fenêtre. Enfin, du coup je jette mon PC par la fenêtre. Ne vous inquiétez pas, on va s'amuser. Je suis sûr qu'on va forcément s'amuser à un moment. Puis ça me fait chier d'arrêter le stream là alors qu'on est à deux doigts de la fin quoi. Enfin, ça va être un peu long encore. Mais... Je pense que je préfère, à part si je crois que je termine plus tard. Est-ce que c'est vrai que ça fait 2 heures qu'on stream là? Est-ce qu'on se termine Fort Boyard plus tard, puis ça sera sûrement très court, ou est-ce qu'on termine maintenant en googlisant un peu? C'est à vous de me le dire. Je pense d'avoir un truc avec la salle où le couloir se referme sur notre tronche. Ce serait pas les trucs qu'ils mettent dans les ces machins là là. Il y a forcément un endroit où il faut utiliser, non? Il y a peut-être une porte ou c'est pas. La porte est fermée. C'est rare, c'est génial. Alors.
Ok, attends, qu'il faut partir par là. Si on retourne. Je dois trouver le mot. Alors, on va voir. On avance. Commutateur du bas vers la droite en passant puis ce du haut à 11h en partant de la droite. Sur la partie basse, tourne les deux clés en appuyant sur le bouton vert attenant. Puis sur les deux autres boutons verts de la rangée. Et pour finir, sur le bouton bleu de manière à lancer les groupes électrogènes. Normalement, tous les vue-mètres devraient bouger. Si ce n'est pas le cas, ouvre l'armoire de droite et vérifie que tous les disjoncteurs soient enclenchés et relance les groupes. Non, on va pas faire ça. Droite sur manuel, d'accord. Un man. Ok, après. Après, passe sur le pupitre des commandes qui est allumé. Droite sur manuel, après, et passe sur le pupitre de commandes. Mets le commutateur du tableau de droite sur manuel. Après, et passe sur le pupitre de commande qui est à ta gauche. Tourne tous les commutateurs du bas vers la droite, en passant de la gauche, puis ceux du haut à 11h, en partant de la droite. Sur la partie basse, tourne les deux clés en appuyant... Tu commutateurs du tableau de bas vers la droite, d'accord. Mets le commutateur du tableau de droite sur manuel. Passe sur le pupitre de commande qui est à ta gauche. Tourne tous les commutateurs du bas vers la droite, en passant de la gauche, puis ceux du haut à 11h, en partant de la droite. Sur la partie basse, tourne les deux clés. Ceux du haut à 11h, d'accord. Sur 200, en tout. Sur manuel. Après, et passe sur le pupitre de commande qui est à ta gauche. Tourne. J'étais encore là où je suis seul mort dans cette. Me laissez pas tout seul, de la gauche, puis ce duo à 11h en partant de la droite. Sur la partie basse, tourne les deux clés en appuyant sur le bouton vert attenant. Puis, sur les deux autres boutons verts de la rangée. Et pour finir, appuie sur le bouton bleu de manière à lancer les groupes. Putain, mais le gars il nous a dit, c'est en même temps t'as envie juste de pas l'écouter, quoi. Alors t'as pas de. Ta gueule. D'accord, pas. Faire tout dans l'ordre. Ah.
Oh là l'enfer. Mets le commutateur du tableau de droite sur manuel. Après, et passe sur le pupitre de commande qui est à ta gauche. Tourne tous les commutateurs du bas vers la droite. En passant prendre de la gauche, puis ceux du haut à 11h en partant de la droite. Sur la partie basse, tourne les deux clés en appuyant sur le bouton vert attenant. Puis, sur les deux autres boutons verts de la rangée. Okay. Et pour finir, appuie sur le... Ok, d'accord, donc... En partant de la gauche... En partant de la droite... Ok... Mais putain! C'est ce que me dit la soluce. Qu'est-ce que je peux faire d'autre, moi, après? Oh, y'a rien qui va. Oh mais putain, mais je te dis même pas ça.
Mais est-ce qu'on a réussi? Oui, ok, ok, d'accord, ok. Même pas un truc genre, oui, bah, ouais, tu as réussi, non, juste. Ok. On va terminer le jeu d'enfer. Restez là. On termine. Je veux dire, on termine. Pour 3 pièces. Pourquoi ce truc? Faut de l'aide là. Faut pas que... Je vais pas juste piffer le truc, ça n'a aucun sens. D'accord, parfois. Quoi, je ne sais pas, je ne sais pas qui a eu l'idée. Moi je saute, ça a rien à foutre. Même pas un indice, le jeu, tu peux te faire foutre. C'est quoi ce remix? Moi je voulais un... C'est toi et on se... Moi je voulais un Zelda. Bah ouais, je pense qu'on voulait tous un Zelda Fort Boyard. Ok, du coup ça fait quoi du... Quoi, c'est le même putain d'endroit, mais comment c'est possible? Le jeu n'a aucun sens. Le jeu n'a aucun sens. Aidez-moi. Aidez-moi, les amis. Ok. Ça sert à quoi ça en fait depuis le début en vrai? Ça sert absolument rien. On est d'accord.
Ça ne sert à rien, espèce de Yprane qu'on a eu tout début du jeu. Pourquoi ça existe? Il faut peut-être le donner au fou, il se serait calmé, je sais pas quoi. Ok, d'accord. Ah oui, non mais on termine ce jeu incroyable. Là, on s'amuse encore plus qu'on se fait chier en fait. Du coup, j'espère que t'es hype aussi, autant que à bien t'emmerder. Tac, alors. Ils peuvent pas remettre les acteurs pourris et tout là. C'était mieux. C'était mieux avant, on peut le dire cette fois. What the... C'est quoi cet endroit? Oh, oula, quoi? Oula... On va éviter de faire des conneries. Faut que je fasse exploser ça peut-être. What the... Le boss de fin, c'est la boule. Si seulement. Là, c'est le WGE, World Game Ever. On souffre ensemble, on n'a pas croisé le très cochu. Bah ouais, je pense qu'il était l'acteur de... C'était peu, je sais pas, ouais, c'est bizarre. Est-ce que tu pourrais mettre un 10 en ce critique CTP? Ça me fait pas peine de voir un jeu de qualité staff. Bah oui, non, mais je vais lui mettre 10, hein, y'a aucune douille, par contre. À quand le guide pour bien débuter sur Fort Boyard? Alors, salut, c'est Fantin, on est là pour ce guide pour bien débuter à Fort Boyard, la légende. Alors, déjà, il faut donc bien récupérer le sucre. Pardon? Dépose tes 4 Napoléons dans les gobelets et le trésor. Mais du coup, on a récupéré un fake Napoléon, donc j'ai pas envie qu'on se fasse niquer à cause de ça, par contre. Parce que là, ça serait un peu casse-couille. Ok, c'est celui-là le fake. Un brouillard, ouais, c'est ça, lui c'est qu'un brouillard. Ok.
puis il faut mettre deux chats de côté. C'est quoi ce délire? Mais... Pardon? Je suis mort. Le père Fouard nous a tués. Pourquoi? Trop bien. Ça c'est l'ending neutre, ça en fait. C'est quand tu meurs, en même temps t'as pas trop le trésor encore. Putain, quel jeu incroyable. J'espère que t'es content d'être revenu pour ça, les camis. Tac. J'ai mis sur partie 2, je crois. Okay. Pourquoi ça avait bugué tout à l'heure, ça? J'en ai marre. Mais quoi? Je les ai mis les catapultes. Kingdom Come. Ouais, il est rigolo, Kingdom Come, j'aime bien. Je continue, hier on s'entraînait avec le bateau IDP et tout. Mais je préfère jouer à Fortnite, les gens, honnêtement. Je pense que tu me comprends. Non, je me suis dit, c'est un jeu là à con, c'est plus rigolo de faire en stream. Effectivement, c'est rigolo, mais là, c'était rigolo au début, mais là, on ne s'abuse plus beaucoup. Tac. Oh putain, quel pur ce jeu, sans déconner. Et du coup, c'est quoi le délire? Il y a un sens pour les... Je peux même pas repartir, what the... J'adore la solution qui te dit littéralement que des fois faut juste piffer le jeu quoi, et du coup ils sont tumeurs. Non, j'avais pas mis le boyard, j'avais que des. C'est juste qu'en fait il y a un sens pour les mettre, mais il y a rien qui t'indique que. Attends. Ah si, putain, il y a marqué 3 et 1, mais comment t'es censé le savoir? Putain de merde. C'est juste moi qui suis con. Mais en même temps, c'est tellement discret, genre de truc. Regardez, il y a marqué 3 et 1. Débile. Ça ressort même pas du tout du décor. On dirait que juste fondu là, quoi. Mais oui, on va dire Nesca, il se la pète, là. Les jambes point date. Je les ai pas tous mis ou quoi, ce que vous allez dire? Donc. Ça fait 1, ensuite 2, 3. 4. Mais pourquoi?
exactement ce que je viens de faire, Nesca. Je vais hurler. Je deviens fou. Ok, donc la solution dit littéralement que faut en mettre deux à gauche, un à droite, puis un à gauche. Mais pourquoi ? Autant je vois qu'il est marqué 1, enfin 3 et 1, par contre, ça je ne comprends pas. Ça je ne peux pas l'expliquer. Non, Nesca. C'est juste, tu fais 2, 1, 1, mais je sais pas pourquoi. Petit jeu de fou, malade. Qu'est-ce que est en ce post-it ? Non, ça fait peur, c'est très sérieux. C'est Dark Souls. Waouh, qu'est-ce que j'ai vu ? On a récupéré nos Napoléon. Ok. On récupère un diamant aussi. Énorme gemme verte. Ok. Ça, c'est un truc, il faut mettre quelque chose. C'est bon, un truc, le mettre là-dedans, non ? Ouais, ok, c'est bon. Oh, mon père était un grand chercheur. Smile est triste. Le mec a littéralement dessiné un smile est triste, quoi. Un peu peut-être faire la forme du smiley triste. Avec les Napoléonches. Ah non, merde, il faut récupérer celui-là. Non, récupère celui-là. Putain. J'ai foutu le boyard. Du coup, je vais me faire niquer. Précipitation. Il sert à rien ce putain de boyard à part juste t'emmerder en fait. Il sert à rien de le prendre quand même, c'est aucun sens. J'en ai marre. Le jeu m'énerve. Faire ça. Faut tourner en bas à chaque fois. Oh là là, purge. C'était mieux avant comme les jeux vidéo, on peut dire. Alors si je me souviens, la dernière ligne est trop casse-couille. On est vraiment à la fin du jeu, les petits potes. Et il nous reste 3000 items, on ne sait pas ce que ça fait, et ça c'est plutôt pas mal.
le tigre des mers divisa le royaume en 20 provinces. Il répartit équitablement les provinces, toutes fertiles et prospères, parmi ses officiers. Seuls ses deux plus fidèles, Moltar et Tanesh, par ailleurs rivaux, provinces de plus que les autres. Peu de temps après, Moltar et Ganesh, que tout opposait, se déclarèrent la guerre. Je vois la suite sur la PF5, sur FPS, oui, d'ailleurs Julien Chies en parle dans son dernier bistrot de jeux vidéo. Remercie notre ami Julien qui doit sûrement regarder ce stream. Complètement dévasté. C'est bien vrai. Moltar et Tanesh, désormais isolés du reste du royaume, furent convoqués par le tigre des mers. Sa colère était si terrible qu'il ordonna de les noyer dans le lac de l'espérance. La nouvelle de leur mort se répandit dans tout le royaume, des riches cités de l'Est jusqu'aux villages les plus reculés de la grande forêt. Julien, c'est pour toi. De guerre. Oh, c'est pas vrai. C'est très sérieux. Ok. Donc les amis. Comment je suis mort? Je me souviens qu'il fallait mettre le truc au milieu. Mais putain! Ça c'est joué qui me fait « Oh, tu vas pas me baiser comme ça hein. » Une petite solus, c'est du sérieux, Fort Boyard. Il suffit de ça que j'ai des choses qui n'ont pas de tour. C'est quoi? C'est un vrai mythe, mais qu'un tennis en vif, je sais pas du tout. Je pense qu'on va se garder la magie et ne pas le découvrir. Et voilà, on va terminer Fort Boyard. Putain. Et là, vous allez choisir. Est-ce qu'on choisit le pognon ou est-ce qu'on choisit le bouquin? Cher aventurier, te voilà arrivé au bout de ta quête. Comme récompense, je t'offre un choix. Le choix entre la richesse et le pouvoir. Réfléchis bien. Et surtout, ne te trompe pas. Alors, le pouvoir ou la richesse? Qu'est-ce qu'on choisit? C'est très dur. Attention. On part sur le pognon du Décalé. Le pouvoir du Draco. Attention, il va y avoir un duel mental là. Faudra s'en dire. Ah non, mais c'est son stand en fait, c'était le stand du parfois. C'est serré, il nous faut Nesca, choisis, pognon, pouvoir. Non mais t'inquiète, on va avoir les deux fins de toute façon, c'est juste la première qu'on choisit. Qui sera donc la fin canonique, on aura fait notre partie, l'autre ce sera juste pour découvrir. Non mais on peut pas choisir les deux, putain. Vote, Nesca, sinon ça va pas, ça va barder. Non mais je sais... Non... On va faire les deux. Juste, il y en a un, ce sera la vraie fin du stream. L'autre, ce sera juste comme ça. Pouvoir, d'accord. Je choisis le livre. Je choisis... C'est bien. Ryu, le grand maître du karaté. La véritable richesse n'est pas celle que l'on croit. Dans
Dans ce livre, tu trouveras la voie de la sagesse. Tu as trouvé le véritable trésor de Fort Boyard. Tu peux partir en paix. C'est beau. Donc ça, c'était la good ending, du coup. Voilà, donc on fera le générique quand on aura vu l'autre. Donc ça, c'était la good ending. Donc voilà, on a pris la chalesse et tout, ça fait plaisir. Et l'autre, c'est la bad ending, mais il y a un lore, et... enfin, il y a un twist au lore de Fort Boyard. J'étais très fan du lore de Fort Boyard, comme moi. Vous allez être content. Parce que j'aime l'argent comme David Lafarge Pokémon. Le trésor est une arnaque. Je choisis le trésor. Je choisis Ryu. Je te remercie. L'appât du gain fut aussi mon erreur dans le passé. La véritable richesse n'est pas celle que l'on croit. Je l'ai appris à mes dépens. Grâce à toi, je suis désormais libre. Tu es maintenant le nouveau gardien du trésor. Jusqu'au jour où un autre aventurier fera le mauvais choix et te libérera. Eh oui. C'est le plus grand twist de l'histoire du jeu vidéo, honnêtement. Donc voilà, c'est le lore qui s'enrichit. En fait, on a appris donc que le père Foi, c'était l'aventurier du fort d'avant, et en fait il a choisi de la richesse comme nous, et en fait c'était la bêtise à faire, parce que du coup nous on devient le nouveau père Foura, en fait. Du coup en fait la boucle est bouclée, donc c'est incroyable. c'est totalement incroyable qu'on devienne le nouveau père Foura et que ce soit la mauvaise fin, parce que du coup on reste dans le fort pour toujours. Voilà, donc je pense qu'il y a quelqu'un qui a fait le jeu juste pour ce twist, en fait. Il s'est dit, putain, je veux faire un twist, mais j'ai envie de faire un jeu tout entier dessus. Et on a plus de son, donc c'est parfait. Merci à Microïse, France et Vision Distribution. J'espère que ce jeu était gratos, hein. Payé pour ça. Chef de projet Xavier Claude Passeri. Graphiste Loïc Ever, Manuel Dupont, Stéphane Namiek, Xavier Claude Passeri, Sylvestre Rodrigue Olivier. Intégration sonore Emmanuel Mercier, Xavier Claude Passeri, Julien Marty. Programmation Franck Doueno, Nicole. Compression vidéo Snacker Vidéo Technologie. Human Machine Interface, Paul Koulak à la musique, gros merci, hein, décidément. Brigitte Cordeau, packaging, illustrateur Mandy, scénario Pierre Rival, mais scénario, putain. Producteur Tiguel, François Bourreau, Pierre Rival, Renard Blaise. Alors, Franck Perrognon, hein, l'acteur, la bibliothécaire Hélène Coulon, recherchez-le s'il vous plaît. Jean Duby, Michel Gâteau, Jacques Dufaux, délégué, Déteg Anguibaud. C'était un des noms, ça. La canonique de Fort Boyard. Ça se trouve, c'est peut-être Zambla, maintenant, le nouveau parfois, on ne sait pas. Et bien voilà, c'était Fort Boyard, la légende. Fort Boyard, la légende, les amis. Que d'aventure. J'espère que ça vous a plu. En tout cas, moi, c'était... C'était quand même très drôle toute la première partie, enfin tout le trois quarts du jeu était très drôle juste à la fin. Et je pensais qu'on allait un peu plus galérer, enfin heureusement qu'il y avait le Solus, que j'avais un peu envie de me prendre la tête, parce que c'est un peu craqué comme jeu. Voilà. Voilà, j'ai des petits feels, des bons vieux streams sur les chevaliers de Baphomet. Peut-être qu'on reprendra les chevaliers de Baphomet un jour, soit le 1, soit le 2 directement. Voilà. Donc je vous remercie. C'était très enrichissant d'effet, hein. Donc là je vais m'empresser.